Être accompagné, vous avez eu cette idée, vous avez envie de faire un clash de la drague en couple tous les deux. Ouais. Mais pas en couple tous les deux, hein, parce que maintenant ça t'a refusé. Non mais ouais, parce que de toute façon déjà on joue l'un contre l'autre, donc jouer ensemble. Si on fait un couple ensemble, ouais. Ouais, c'est en plus moi je pense que je t'aiderais à faire un bon truc, donc non. Ah, comment il se la raconte. Alors on a Florence avec nous en direct de Nancy. On va voir avec qui elle veut, salut Florence. Elle veut faire couple ce soir. Salut Florence. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Salut charmante Florence. Bonsoir tout le monde. Merci. Salut. Je te pose la question fatidique. Tu vas pouvoir choisir entre Romano et Cédric. Avec qui tu veux faire équipe ce soir? Écoute, je serais ravie d'être l'assistante de Romano. Mais tu vas même être ma femme, ma chérie, dans le clash. Oui. C'est quoi ta méthode, Romano? Propose. Bon, alors la méthode, c'est on est naturiste. Comme Nicolas. Voilà, pareil. On vient de vacances. En fait, t'as pris des coups de soleil à la chatte. Ouais. Donc en fait, moi j'aimerais bien baiser la femme du mec et en contrepartie, toi tu le suceras. D'accord, ok. Est-ce que ça te plaît, Florence, la méthode de Romano pour le clash? Ça me plaît, ouais. Bon, non, mais il faut. C'est encore l'été, il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Voilà. Et donc la méthode du naturiste comme Nicolas. Ça t'arrive de te mettre à poil. Ouais, quoi, naturiste, mais on va baiser nous, contrairement à Nico. Et de l'autre côté, il y a Mélodie. Bah Mélodie, bienvenue à toi. Bah tu récupères Mélodie. Bah, il reste plus que ça quoi. Ça va Mélodie? T'as pas le choix. Oui, oui, vous l'équipe. Ça va bien Mélodie. Ça va, merci. Les autres, là. Oui, je voudrais jouer avec Romano aussi. C'est ce que vous voulez. Tu veux jouer avec qui, Mélodie? Oui, je voulais avec Romano, mais c'était pas possible. Attends. Merde, fallait pas dire quoi, Mélodie. Soutien, là. Bah, on a trouvé Mélodie. Non mais Cédric, je suis sympa. Je te passe une de mes fans. Il y avait plein de messages. Écoute, je te jure que j'avais une autre meuf qui s'appelait Léna et qui était vraiment motivée. Et manque de peau, Léna, son téléphone ne marche plus. Ouais. Je te jure, j'ai sa feuille qui est là, regarde, je viens de jeter à la poubelle. Oui, on a appelé Léna, on a eu ce message. Et du coup, oui, j'ai tiré la deuxième. Alors, je ne suis pas joignable actuellement. Oui, j'ai coupé mon téléphone. Il y avait plein de meufs. Je te jure, Cédric. Mélodie, tu fais donc équipe avec Cédric. Oui, bon, t'as pas le choix. Désolé. Ça a l'air de faire plaisir. Oui, malheureusement, je suis triste. Ah bah écoute, te sens pas obligé, hein, tu sais. Oh qu'il est énervé. Mais là, je vais faire un petit effort quand même, parce qu'après il va pleurer. Non mais essaye de rattraper la misère qu'il va faire. Vraiment, ne te sens pas obligé. Bon, t'as une méthode au lieu de bramer là. Ouais ouais, j'ai une méthode, non mais si elle veut pas le faire avec moi. Non mais si, elle veut le faire, le belge. C'est quoi ta méthode? Bah la méthode c'est, bah je suis avec ma meuf là, donc Mélodie, qui est heureuse de faire le clash avec moi. Ah puis, oui, c'est affreux. Voilà, et on voudrait se faire un truc à trois, donc du coup on voudrait faire un truc avec la femme de la famille. C'est tout? Bah ouais, ah bah allez, c'est quoi, parti. C'est... Bah c'est pas super original. Bah si, un contrairement à la mienne, tu veux dire, bah, monsieur l'arbitre. J'ai rien dit parce que je suis arbitre. Mais écoutez, là, des gens passent Mélodie, elle veut pas faire le clash avec moi. Et si, elle veut d'ailleurs. Putain, respecte les autres. Non, mais vas-y, Mélodie, fais ça bien. Oui, oui, t'inquiète. C'est ouais, bah pas trop non plus. C'est Romano qui te demande, rends-lui service. Je suis en la conspiration. Non, pas du tout, je te jure. C'est parti, on y va pour le premier coup de fil. Donc Mélodie et Cédric vont rentrer en piste. T'as pigé le principe, hein, Mélodie, facile. Ouais, ouais, y a pas de souci. Cédric appelle le numéro que... Allez, vas-y. Allez. Et c'est Eric. Qu'on a tiré au hasard, et c'est Eric. Allez, Cédric, Mélodie, c'est à vous. Bonne chance, Mélodie, c'est à vous. Le premier couple du clash de ce soir. Bon courage, Mélodie. Oui, pareil, Cédric. Hein. Merci. Oui, non, c'était pas Cédric qui parlait, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Ouais, Eric, ça va? Ouais, ça va. Bon, bah nickel, dis-moi, je t'appelle, là, je suis avec ma meuf, là, Mélodie. Ouais. Je te la présente, Mélodie, dis-lui bonjour. Ouais. Salut. Donc ce soir elle a envie de faire, elle m'a avoué qu'elle avait un petit fantasme et qu'elle aimerait faire l'amour avec une femme. Ouais, et t'es qui? Bah moi c'est Cédric. Cédric comment? Bah Cédric. Et on aimerait se taper un truc à trois, donc on voudrait savoir si ta femme ce soir éventuellement elle serait disponible. Ah bon? Ouais, parce mais que là, soir, comment je m'appelle exactement? Bah ouais, Eric. Ah non, c'est pas Eric. Ah c'est pas Eric? Bon bah c'est pas grave. Ah non, c'est Christophe. Christophe, bon bah c'est pas grave, Christophe. Mais déjà actuellement nous on fait un plan à quatre là. Ah bah écoute, on peut venir, comme ça on fera un truc à plusieurs encore, il y aura du choix. Ah bah oui, moi je prends tout. Hein. Comme ça ma petite chérie, elle pourra choisir la plus belle. Et t'es de où? Bah je suis à côté de chez toi. Où exactement? Bah à 3 rues derrière. C'est-à-dire? Bah à la rue derrière, tu vois, tu prends la première rue, il y en a deux autres après, bah je suis là. Ah bah moi il y a qu'une rue derrière chez moi. Bah il y en a deux autres un peu plus loin, mais tu savais pas. Mec, il y a quand même pas de bol là, dans la vie. Bah écoute, on peut venir dans 5 minutes là. Là, bah, ça... T'habites où toi exactement? Bah je t'ai dit, 3 rues derrière. Là, Mélodie elle sort de la douche, elle est toute fraîche et puis bah elle s'habille, elle met une petite tenue légère, un petit dessous sexy, puis on arrive. Toi tu sors pas de la douche par contre. Si si, ta gueule toi. Sors de la table. Bon bah Eric, on arrive. Christophe. Ah ouais, vas-y. C'est bon? Tu prêtes ta femme, hein, j'espère. Hein, hein? Tu prêtes ta femme, hein? Ouais. Elle chauffe un parce peu. Parce que j'ai vraiment envie de lui donner du plaisir à ta femme, hein.
Et puis si elle n'arrive pas derrière, moi je m'occuperai d'elle. Ah ouais. Bah, elle va jouer comme elle a jamais joué, hein. Cédric, je suis pas sûr. Mais... Bah si, si. Ah, Mélodie. Et t'inquiète, moi, une femme, je sais comment les gérer, moi. Elle est excitée, mais laisse tomber, quoi, elle en peut plus. Ah ouais. Bah vas-y, dans 5 minutes, on va voir. Ok, bah prépare tes petites fesses, hein. Dans le pire des cas, je m'occuperai de toi un petit peu aussi. Ouais, au revoir. À tout de suite, mon chéri. Eh ben, c'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal. Et c'est pas mal. Comme quoi, c'est vrai, quand tu es aidé par quelqu'un, ça marche mieux. Bravo, Mélodie. Ah ouais, c'est surtout Mélodie qui a tout fait. Bravo. J'ai rien fait, hein. Ah si, si, t'as tout fait. Oh si, Mélodie, t'as tout fait. D'ailleurs, bien chié, d'ailleurs. Bravo, bravo. Florence, ma chérie, tu es là ? Oui, je suis là, motivée comme jamais. Ah, très bien. Alors, Florence et Romano, il va falloir faire mieux que Cédric et Mélodie pour le clash de la drague. Oula. Excellente idée, on nous dit, l'idée du couple au clash. Message de Steph des Landes. Salut Steph. Fabrice pour. Bip bip pour Cédric. Lala qui nous dit trop fort. Merci, Cédric. Merci. Mélodie, tu gères. Tiens, message de Sauce du 13. Attention, c'est à vous. Allô, Fabrice. Fabrice. Commence bien. Allô, Fabrice. Allô. Ah oui, Florence. Oui, Romano. Bon, Fabrice, Il est. Ah, Fabrice. Ouais, moi, dans le clan, je m'appelle Jean-Louis. Hein. Ah, tu es Jean-Louis. C'est Jean-Louis et Florence. C'est nous, le couple. Là, c'est François qu'on appelle. François. Florence, pendant quelques minutes, tu vas sortir avec un Jean-Louis. Je suis sûr que ça t'est jamais arrivé. Allô. Oui. Oui. Comment il s'appelle, lui? François. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Je suis avec ma femme, Françoise. Salut, François. Oui, Jean-Louis comment ? Jean-Louis David, je suis coiffeur. Ah bon ? Oui. Et en fait, je t'explique là avec ma femme, la Françoise, on revient de vacances, on revient d'un naturiste. Allô ? François ? T'es barré, le con. Génial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il y a eu un petit coup de mou là. C'est le coup du coiffeur, c'est pas passé. Il y a eu un coup de mou, c'est vrai ça. Bon, bah, on fait des déclarations. Ouais. Allez. T'étais super pourtant, Florence, mais tu t'appelles Françoise maintenant. Bah, oui, je m'appelle Françoise. Changer de nom, d'un coup. Là. Voilà. On sait pas pourquoi. On fait un deuxième tour. Ouais, on va faire un deuxième tour. Mélodie, est-ce que ça te dit de faire un deuxième tour ? Ouais. Oui, il vaut mieux. Tu sais quoi, Mélodie, on va faire un double serrage, nous, t'inquiète. Allez, on déchire tout, là. Je te précise, je m'appelle Michel dans le clash. Tout à l'heure, j'ai dit Cédric parce que on n'était pas bien rodés, tu vois. Oui, allez, Michou. D'accord, voilà, génial. Michou. Merci, Cédric, en fait, c'est une nouveauté de la rentrée. Tu t'appelles donc Michou maintenant. Non, Michel. Michou, c'est bien. Non, Michel. C'est excitant quand même. Tu m'appelleras Michou. C'est super excitant, il va falloir s'y habituer, tiens. Ouais. Bah, Michou. Bah, je commençais pas à dire que je m'appelle Michel. Et Mélodie, allez, c'est parti. Allez, vas-y. Deuxième tentative pour vous. Deuxième serrage pour nous, tranquille. Ouais. Peut-être un double serrage. Moi, nous, on a serré, toi, t'as rien foutu encore. Non, pas encore, c'est vrai. Ah, voilà. Je crois que le clash de la drague pour ce soir, il est pour nous, Mélo. Ludovic. Allez, Ludovic, prends ton téléphone. Dis allô, raccroche. Allô. Ouais, Ludovic. Oui. Ça va, tu vas bien ? Ouais, c'est qui ? Bah, c'est Michel au téléphone, un de tes voisins. Je t'appelle, là, je suis avec ma nouvelle copine, là. J'ai une nouvelle chérie, elle s'appelle Mélodie. Dis-lui bonjour. Bonjour. T'as vu ? En plus, elle est bien éduquée. Oh. Bah, tu peux lui répondre. C'est quoi ces conneries là? Bah, je suis avec ma nouvelle meuf et puis on parlait là un petit peu de ce qu'on voulait faire ce soir. Et elle m'a avoué qu'elle voulait faire un truc avec une femme. Un truc un peu sexuel. Et puis comme moi j'ai pas fait de plan à trois avec une meuf là depuis un petit temps, bah je me suis dit tiens, je vais appeler Ludovic. Je vais lui demander si sa femme elle est dispo ce soir. Ouais, c'est ça. Bonne soirée, au revoir. Bah, on peut venir à la maison? Ah merde. Allez, ouais, allô? C'est ça. Ah, parce qu'on va venir là. Ouais, bah viens, c'est ça. Ah, t'as une place dans ton lit pour moi? Ah, ouais, t'as accroché à la gueule. Définitivement parti. Mais malheureusement. C'est pas cool, hein. Et oui, Cédric, tu n'es pas content, ça s'entend. Oui, du calme. Ne fais pas une crise d'asthme. Ah, bon, ça a marché un coup pour vous, c'est pas mal. Bah ouais. Deuxième coup moyen. Bah, il était moyen chaud, lui. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Bon, Florence, on va dire plus cash, on va dire que t'as envie de te faire baiser. Ok, Romano, c'est parti. Et là, tu dis pas c'est pourri comme méthode, là, monsieur l'arbitre. Bah, c'est super, on a envie de se faire baiser. Tu dis pas c'est pété, là. Marie, t'as envie de te faire baiser, ce monsieur soir. L'arbitre. Ah oui. Ah oui. Ah bah voilà. Elle a rendez-vous avec Nicole Naturiste dans un instant, là, Marie. Oui, c'est vrai. Allô. Allô. Didier. C'est Béa. Ah, c'est Béa. Didier, il est dans le coin. Ouais, il est là. Ah, tu peux me le passer, s'il te plaît. C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis, là, voisin. Jean-Louis. On revient de vacances, là. Je suis avec ma femme, Françoise. Dis bonjour à la dame. Bonjour, Béa. Oula. Attends, je vois pas qui c'est, alors attends. Oui, dans le téléphone, c'est normal. Hein.
Oui, allô? Ouais, Jean-Louis. Thomas, Didier. Ouais, Didier, ouais. Ouais, c'est Jean-Louis dans le téléphone. Je suis avec ma femme, Françoise. Salut, Didier. Ouais, salut. Je t'appelais pour avoir un petit service, là, Didier. Je peux te demander Jean-Louis, bah attends, je sais plus qui c'est. Je fais pas le rapprochement, là. Ah, tu fais pas le rapprochement, là. Parce qu'en fait, je suis avec ma femme, là. Et ouais, c'est qui, aussi? C'est Françoise, ma femme, elle est là. Hein, dis, Françoise, tu es là? Mais oui, je suis là, tu me dis, je te rappelle pas. Françoise, dis-lui ce que tu as envie de faire ce soir. Écoute, là, je suis chaude comme la braise. Non, mais c'est voilà, pas quoi, Françoise que je veux, c'est toi. Il va te niquer, toi. Ah, bah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bah, écoute, on va faire l'amour tous les deux, Didier, alors. Et non, comme tous les trois, non. Oui, et bah, toi, tu feras avec sa femme, Béa. Oh, parfait. Bon, bah, on arrive et on va se manger les organes, tous les quatre. C'est qui est là-bas? C'est Jean-Louis, je suis avec ma femme Françoise. Elle a envie de bouffer du chibre ce soir. Hein. Ah, bah, justement, on va faire connaissance, t'inquiète. Didier, je voudrais venir te voir, s'il te plaît. Dis-lui que tu veux le sucer. Allez, Françoise. Allez, Didier, s'il te plaît, je voudrais la prendre. Je voudrais... Ah, elle voulait te la bouffer, mais jusqu'au bout, quoi. Ah bah, Françoise. Oui, je suis chaude. Ah, tu as envie d'être remplie, là. Ah, Didier, il faut la remplir. Ah, elle a l'air chaude, aussi. Bon, Didier, ce qu'on va faire, c'est que je vais arriver avec Françoise, on va arriver à poil directement. Et puis, écoute, je suis en train de regarder un film d'aventure, là tu me perturbes. Ah bah là, tu vois, ça va se terminer en film de cul ce soir. Là. Tu vas voir. Là, je suis en plein dedans. Là, ah ouais, bah là, je vais être en plein dedans, toi, dans 5 minutes. Là. Bon, bah à tout de suite, Didier, on arrive. À tout à l'heure, Didier. Bah non, je vais bien me coucher. Hein. Ah bah on va se coucher avec toi. Ouais, voilà. Ah, fais-nous bon, un petit peu de place, s'il te plaît, Didier. Ah oui. Oui, en plus, toi, Romano, tu es tout petit. Ouais, je me mettrai dans ton cul. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place, il rentre. Bon, Didier, à tout de suite. Allez, content, Didier. Hein, il va baiser ce soir. Ah, il n'a pas dit oui. Hein. Oui, allez, toi, on t'a rien demandé. Hein. Ah, il a pas dit oui. Quand tu demanderas un truc, on te demandera. Hein, il a rien dit. Oui, bah, là, il va dire oui, là, Didier. On arrive, Didier. Dis oui, ça me fout dans la merde, sinon. Hey. Ah, Didier, dis oui. Ouais, mais ça pue aussi. Hein. Ah, ça pue chez toi, bah, on fera le ménage. On ouvrira les fenêtres. Allez, qui est à l'appareil là? C'est Jean-Louis et sa femme Françoise. Ah, Jean-Louis là. Eh ouais. Bon, on arrive chez toi, même si ça pue, ouvre les fenêtres quand même, on fera ça dans le jardin. A tout de suite. A tout de suite, Didier, à tout à l'heure. Bisous, Didier. Il est content, Didier. Il est content, ouais. Bisous. Il est content. Eh ben, à tout de suite alors. Bisous. Salut, Didier. Ouais, j'en parlerai à mon cheval. Hein. Ah, vous allez faire baiser par un cheval, écoute, tu l'as déjà fait. Bonne nuit. Hein. Eh, on va prendre le cheval aussi. Ouais, ça sera meilleur avec le cheval. Hein. Eh ben, écoute, sors-le de l'écurie, on va le prendre. Hein. Françoise, tu prends un cheval, toi. Ah ouais, je prends tout, moi. Elle est vraiment en train. Tu peux prendre Jacqueline aussi. Je suis OP, oui. Allez, OP, allez, sors-le de la fond. Oh, il est déjà là. À tout à l'heure avec le cheval. Bisous. Bien sûr. Ouais, on fait ça avec un cheval. Eh ben, bravo les couples là. Déjà, c'est dégueulasse de faire ça avec un cheval. Bravo Mélodie et Cédric. Ah, bien joué Francis. Françoise. Florence. Et bravo Florence et Robado. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les déclarations? Bah ouais. Alors, les déclarations de ce soir pour inciter au vote, et vous allez pouvoir voter dans moins d'une minute. Cédric, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bah, moi, ce soir, mon adversaire avec Françoise, là où je sais pas comment elle s'appelle, il a pas fait grand-chose, à part faire rire la famille. Rien de sexuel. Famille qui rit à moitié dans ton lit. Hein. Ouais, bah écoute, l'autre, il va se taper. Asexuel, mon pote, tape-toi un cheval, tu verras, c'est pas sexuel. L'autre, il t'a dit, allez, j'en parlerai avec mon cheval. En gros, tu t'es fait recaler. Tandis que moi et Mélodie. Ma belle, nous on a géré, on a serré Christophe. Christophe, il nous attend mais tranquille. Le fidèle, parce que le deuxième, il a même pas répondu quoi. Ouais, t'as bien raison de dire ça. Puis de toute façon, toi là-bas, tu vas trop mano. Non, mais là, je suis avec toi. Ah. Voilà. Non, soir, elle est avec Cédric, elle veut dire. Elle n'est pas avec Romano. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. Nous, un appel, on peut dire, parce que le deuxième ne comptait pratiquement pas. L'autre, il a raccroché, il a même pas écouté ce qu'on voulait lui dire. On a serré Christophe et sa femme, en plus ils sont plusieurs. Pour ça, votez Cédric, je vous aime très très fort, merci. Et toi Romano et Florence? Alors Florence, vas-y, parle bien. Parle pour commencer et j'enchaînerai après. Non mais on n'a pas eu de chance sur le premier appel quand même. Ah mais sur le deuxième non plus. Bah sur le deuxième on fait quand même l'amour avec un cheval. Bah, un cheval, on a la totale quoi. Qui sort de l'écurie. Mais bien sûr. Eh bien ce soir mes amours, la team Romano, la team Florence, va falloir voter R-O-M-A-N-O, Florence.
c'est nous qu'on doit gagner. Mélodie, vas-y, c'est nous qu'on. C'est nous qu'on. C'est le bon qui gagne jamais. Ah oui, ça c'est pas grave. On t'a pas entendu, Mélodie, c'est pas grave. Florence. Allez, vas-y, répète, Mélodie. Florence Romano, R-O-M-A-N-O, faut voter. Allez, c'est parti. Allez, on vote Cédric et Mélodie, la famille, ce soir. Et top vote, c'est moi qui. Alors, je lance le top vote à 22h19. Vous avez 5 minutes jusqu'à 22h24 pour voter. Romano, Florence. Faites tout péter pour votre couple préféré. Cédric et Mélodie, la famille. Florence a une voix super sexy, les mecs, si elle vous a fait bander, votez Romano et Florence. Et nous, la famille, on a serré. Romano, Florence, à vous de voter. Vous nous dites ça tout de suite. Oula, ça vote le belge ce soir pour le clash de drag sur Twitter, ouais. Macrover, Monster Boys qui vote pour le Belge. T'as vraiment géré avec Mélodie. Team le Belge est toujours là. Ah, merci fight. La team. Ah, c'est gentil. On est ensemble, la famille. Ce matin, j'ai pensé à Romano car je suis allé chez Jean-Louis David, chez le coiffeur. Ah, bah écoute. Hugo Benzema. Bah, pensez à moi quand vous allez chez le coiffeur. Bon, bah à vous de voter. Et surtout, votez Florence et Romano. Et Mélodie et Cédric. Le couple de l'amour. Ouais. On vous retrouve, les filles. Oui. Restez là. Vous avez les résultats du clash qui arrivent dans 5 minutes là. Ok. À tout de suite, les filles. Okay, à tout de suite. Tiens, puisque vous êtes là toutes les deux, je vais juste vous poser une petite question concernant. Ça va assurer, hein. Chapeau, merci. Les filles. Merci. Mélodie, qui était avec Cédric, dans l'équipe de Cédric. C'est ça, ouais. Et Florence, qui était dans l'équipe de Romano. Ouais, c'est ça. Ce soir, on a fait le clash en couple. Le clash en couple, exactement. C'est pas facile à dire. Ça a traumatisé. Comme ah ouais, je suis sûr que le score aussi va me traumatiser. Eh ouais, parce que c'est 71 contre 29. Le score. Oh putain. Ah ouais, 71 contre 29. Putain, c'est bon ça. Il y a quand même un sacré, ouais. Un sacré, quand même. Ah non, putain, clair. Florence, j'espère qu'on a pas 29. Tu sais que si on fait 29, ça sera un des pires scores de ma carrière. Ça sera ta faute. Là, ce sera ta faute, ouais. Mais t'as rien foutu. T'as pas serré, ça serait normal. On l'a fait avec un cheval. Ah oui, t'as baisé un cheval. Non, il t'a dit, je m'en parle à mon cheval. Et, t'as pas dit et après, il a dit que de sortir d'écurie, il a dit oui. D'accord, il y croit. Il fera plus de mal que lui. Il y croyait, ce con, en plus. Est-ce que le cheval fera la différence? Les résultats du clash, Marie, peux-tu annoncer quel est le couple qui a gagné ce soir? Je vois double. Attends, Ah si, ça y est, j'ai réussi à lire. Alors? Alors, j'annonce. Vas-y, Marie. Romano. Et Romano. Florence, ouais, et Romano. Ouais. Vous faites 71, c'est bien. Bravo, Florence. Parce que t'as fait gros. Ah, Florence, je te fais des gros bisous. T'es une super partenaire. Mais t'es vraiment deux compteurs. Tellement de votes que vous étiez deux à compter. Ouais, ce soir, on a fait péter les scores. Péter les scores au niveau des votes, c'est grâce à toi, Florence. Beauté. Merci, Romano. Merci. Oh, putain, oui. Mélodie, on méritait de gagner ce soir. Bah, Mélodie, de toute façon, quelque part, t'es contente, puisqu'à la base, c'était pour moi. Oui, c'est vrai. Ah ouais, t'étais comme ça, toi. Oui, elle est comme ça, Cédric. Ah, mais toi, tu comprends qu'il n'ait pas envie d'être la louleuse. Elle va prendre à parler, toi, déjà. Elle va apprendre à gagner. Après, tu iras apprendre à vanner, d'accord. On refera le clash en couple, là, si ça vous ouais, c'est bien, ouais. On pourra le faire avec des mecs aussi, on essaiera avec des mecs. Ah ouais, faudra qu'on essaie. Bon, en tout cas, ce soir, c'était honneur aux filles. Ouais, ouais. Comme ça. Et c'est une victoire bravo, mérité, Florence. Bravo, Mélodie aussi. Tu arrêtes de te plaindre. Florence, est-ce que tu veux faire une déclaration présidentielle? C'est quoi ça? Bah, pas une déclaration par rapport à la victoire au clash. Ah, pour remercier les électeurs. Tu te prends pour le président maintenant. Président du clash, oui. Ouais, président du clash. Alors? Bah, non, mais je remercie pour nous. Très bien, Romano, une déclaration présidentielle. Bah, merci à toute la team Romano et à la team Florence associée ce soir pour une si belle victoire. Merci à vous. Et Cédric, une déclaration présidentielle aussi. Allez, vas-y. C'est quoi ça? C'est la musique présidentielle. Non, je veux la musique comme lui. Non, mais non, parce que c'est moi le président. Tu veux toujours faire comme Romano. Ouais, c'est dingue, ça détaille. Pourquoi lui, tu lui mets belle musique, moi tu mets musique de. Parce que je suis président du clash. Eh ouais. Allez, casse-toi. Allez, Cédric. Bon, la team le belge, Mélodie, soir, vous n'étiez pas très présent. Même si. Mais c'est pas grave, Romano a gagné, c'est déjà pas mal. Ouais, bon, toi ta gueule. Respecte les auditeurs, le belge. Respecte ta partenaire, Cédric. Non, mais le clash est fini, maintenant on peut dire qu'elle était pour Romano. Donc déjà il y avait du sabotage. Non mais franchement, elle a bien joué le jeu avec toi. Franchement, non, t'étais bien, Mélodie. Ouais, bien. Mélodie. Mieux que Cédric d'ailleurs. Nous, Mélodie, on avait serré, on méritait de gagner, mais ce n'est pas grave. Oui. Je sens qu'il y a de la corruption au niveau des votes. Je vais aller vérifier ça. Non, ouais, Romano le méritait. Voilà, merci. C'est Mélodie qui le dit. Merci, Mélodie, partenaire de Cédric à la base. Bah, pas pour toi, a priori. Je te rappelle, chérie, que nous, on avait serré. Tu marches solo, ma gueule. On avait serré, nous, soir, lui, non? Oui, mais pas avec un cheval. Voilà. Il a pas serré. Elle a tout compris. Ouais, elle est sportive. Non, mais t'as pas écouté que le mec, il se foutait de sa gueule. Le cheval a fait la différence. J'en parlerai à mon cheval. Ça veut pas dire que tu vas le baiser, le cheval. Ah, bah, ça y est. Bah, si, en tout cas, on t'a baisé. C'est moi qui avais fait ça. En tout cas, on a baisé le veau. Bon, résultat du clash pour ce soir, c'est fini. Mélodie, on remet ça avec le clash de la rentrée. Et merci lundi. Les filles. Hein. Spécial rentrée pour le clash de lundi. Préparez-vous. Ouais. Je vais faire une petite dédicace. Vous nous faites deux méthodes rentrée.